Très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je lance un petit concours de djembé. Je m'explique. Je vais vous dicter un exercice que je ne jouerai pas, que je ne vous montrerai pas. Et seulement par le biais de mes explications, vous allez vous filmer avec votre webcam et la plus belle webcam réalisée remportera un petit cadeau. Mais c'est avant tout un petit jeu entre nous. Saisissez dès maintenant un papier et un crayon. Vous y êtes ? Cet exercice se compose donc de deux parties. La première étant le volume 8 de mes cours de djembé que l'on va jouer trois fois. À côté de ceci, vous allez noter une grande croix, une petite croix, une grande croix, une petite croix, une grande croix, et trois petites croix. Je redicte à nouveau. Une grande croix, une petite croix, une grande croix, une petite croix, une grande croix et trois petites croix. Une dernière fois, une grande croix, une petite croix, une grande croix, une petite croix, une grande croix et trois petites croix. Dans un premier temps, faites une petite pause entre la première partie et la deuxième partie. Comme je vous l'ai déjà expliqué précédemment, ça permet à l'esprit de se replacer. Cette petite pause se refermera normalement, automatiquement. Donc, on joue la première partie trois fois, la deuxième partie une seule fois. Une fois qu'on a terminé, bien sûr, la deuxième partie, on recommence au début. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, jouez tout doucement au début, comme un escargot, et plus vous allez jouer lentement, plus vous pourrez aller très vite. Lorsque vous maîtriserez parfaitement cet exercice, vous retirerez la petite pause du milieu, et pour que cet exercice donne tout son effet, il faudra le jouer le plus rapidement possible. J'espère avoir été le plus clair possible. À vos djembé, à vos darbuka, à vos tables, à vos genoux. Et j'attends avec la plus grande impatience vos vidéos. Et d'ici quelques semaines, je vous donnerai le nom de la gagnante ou du gagnant, ainsi que le résultat que vous devez obtenir. À très bientôt.